Vous êtes personal trainer, autrement dit, coach sportif privé. Vous en avez assez de perdre du temps à vous déplacer au domicile de vos clients. Vous ne voulez plus payer une redevance à un club pour y coacher vos clients. Alors si vous êtes dans une de ces deux situations, il est peut-être temps de songer à ouvrir votre propre studio de coaching privé. Dans cette courte vidéo, je vais vous donner les clés de base pour y arriver. À tout de suite. Bonjour, je suis Christophe Batz, conférencier, coach sportif et formateur depuis 1997. Parmi tous les coachs que j'ai rencontrés ces 10 dernières années, beaucoup envisageaient d'ouvrir leur propre centre de coaching. Même si cela paraissait simple, le projet était rarement bien pensé. Je vous propose donc 3 clés indispensables, R, C et E, pour savoir s'il est temps de vous lancer. Ouvrir un centre de coaching chamboule quand même pas mal les habitudes. Vous allez avoir à payer un loyer, celui du local, à rembourser un prêt bancaire, à payer de l'électricité, de l'eau, du chauffage, de la publicité, des travaux, des cotisations, des impôts, des taxes et encore pas mal d'autres choses. Il vous faut donc une bonne assise financière pour commencer. Et par expérience, et ça ce sont les chiffres qui parlent, il faut atteindre au moins 50 000 euros de recettes durant 2 à 3 années consécutives pour commencer à envisager votre projet. Sans cette assise financière minimale, vous pourriez mettre en péril votre beau studio de coaching sur les 3 années qui suivent son ouverture. Ouvrir son propre centre de coaching, c'est grisant. Mais qu'allez-vous faire si vous n'avez pas assez de clients permettant d'avoir suffisamment de recettes mensuelles pour couvrir vos charges comme le loyer ou le remboursement du prêt bancaire par exemple? Alors c'est encore les chiffres qui parlent. Et la clé ici, c'est d'avoir, avant de vous lancer dans l'ouverture de votre studio, un planning qui sera suffisamment rempli. Un planning rempli, ça signifie avoir environ 30 heures de coaching par semaine et ce, en grande partie sur l'année. À partir de là, vous devriez avoir suffisamment de clients pour envisager votre projet. Vous allez bien évidemment devoir trouver un local à louer ou à acheter. Mais imaginez-vous trouver un local intéressant mais éloigné de votre clientèle habituelle. Vous prendriez donc le risque de perdre certains de vos clients actuels et de devoir attendre des semaines, voire des mois pour combler cette perte de clientèle. De plus, votre budget de communication augmenterait forcément afin de vous faire connaître. Alors soyez donc avisé de faire un choix stratégique et intelligent quant à votre emplacement. Si vous n'avez pas encore réuni ces 3 clés, R, C et E, je vous suggère de retarder momentanément votre projet et de vous former pour gagner plus de clients, augmenter facilement vos prix et apprendre à réduire vos impôts, taxes et cotisations. Ainsi, vous augmenterez vos chances de réussite tout en restant passionné et en donnant un bon coup de pied au derrière aux problèmes liés à l'argent. Je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle vidéo.